Fally Ipupa fait de la musique et sait vendre sa musique. Faire Ego a fait de la bonne musique, mais ne sait pas vendre la musique. Faire ne sait pas comment se vendre. Il n'a pas de porte à frapper pour vendre sa musique. Par rapport à Fally qui ne sait pas bien chanter comme Faire, mais il sait comment vendre sa musique. Si l'échec est international aujourd'hui, qu'on level ou pas, qu'on chante ou pas chanter, on sait que Fally Ipupa, il a plus de visibilité, plus de streaming par rapport à Faire. C'est simple. Fally Ipupa na Grammy Award. Les Congolais parlent trop. À un moment donné, on doit savoir mettre les points sur les i, fixer les accolades et les entre parenthèses. Au Congo, si on parlait de deux musiciens qui savent se vendre bien à l'extérieur, c'est Fally Ipupa et Inos B. Ce sont les deux gros pointures de la musique congolaise. Il y a Lilo, il y a Kilelo. Ils ont abattu Bazo Beta Chachu, Bakofiolo Mide, Barumba, Batubazai Bele. Mais la musique est à la rumba, est à la nini, Bao Bazako Yoka, na Bazako Miteka. Les gens qui se vendent bien. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Si ce n'est pas Fally, c'est Inos B. Il y en a deux. La chose que j'aime chez Fally Ipupa, Fally sait comment se vendre. Il sait comment se dépasser pour faire quelque chose. Lelo a ken a Grammy Award, c'est comme si c'est Sony comme on a effacé place à Kangeli photo et là où d'autres artistes prenaient des photos, c'est deux points différents. Fally n'a pas été invité. Mais la chose que j'aime, au peut insulter Fally, tout finit à biso Fally à qui a yo qui sonne. Mais la chose positive, na likambo ya Fally, eza kokende komiteka, kokende koluka ba connexion. Place ya Grammy Award, eza place oyo ba producteur ba yaka, ba musicien ba tubazana ba baibi ba ouvertir ba bazala kande wana. Fally, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, mais il sait comment chercher des portes. Il sait comment frapper les portes. Aujourd'hui, l'album Formule 7, moi personnellement, je l'aimais par rapport au Tokos. Tokos 1, 2 et Gold n'a pas été à la hauteur de Fally Ipupa. Fally, il est bon dans la musique traditionnelle, communément appelée rumba. Il nous a donné une chanson comme Seyo, Mayday. Ce sont des chansons, pour moi, les chansons phares de l'album. Ce sont des chansons phares. Mais il y a dans la communauté, malheureusement dans la communauté, il y a toujours des adversaires qui seront toujours là, en train de les citer. Akekuna, Ayoki Sony, place à Sony. Oui, Ayoki Sony. Biso ba Congolais, tout ça, comment on a ngone ti Sony. Mais, connexion Oyo, les connexions que Fally Ipupa va trouver là-bas, est tellement important na carrière na ye. Na musique, c'est un musicien. Kuna, toyebi bien que, on le sait bien que en Amérique, c'est la place où, c'est la plaque tournante de la musique urbaine, la musique contemporaine, et aux États-Unis. Maintenant, ba connexion ya boy, on le connaît kaka place moko boy, ce qu'okuta mutu moko, mais lui il est parti là où il va trouver beaucoup de monde. Ba pesa yemboti, ba pesa yete, ba se connecter, ba se connecter te. Entourage oyo, ba komone, ake koluka connexion, à quel point la visibilité, c'est ça un artiste. J'ai toujours dit, il y en a deux au Congo. Après Fally Ipupa, c'est Inos B. Qu'on le veuille ou pas, Inos B, c'est un homme de surprise. Là, on a discovié pas. Au moment où on se parle, on a vu Maboko Milaï, une chanson qui cartonne. On a vu Inos B aux États-Unis avec Jennifer Lopez. Personne ne pensait que cela pourrait arriver. Mais comme c'est arrivé. Donc, les gens qui savent se débarquer, qui savent se débrouiller, qui ont compris la musique d'aujourd'hui, c'est Fally Ipupa et Inos B. Il n'y en a pas d'autres. Tous les gens de Wenge, depuis que Werason a baissé les bras,
Wenge est devenu comme quelque chose dans l'oubliette. C'est sous du biso, toza boy. C'est le chose de komikoumisa. Le wenge devait seulement komikoumisa. Mais il n'y a pas les actions concrètes si les plans sonorographiques. Bobe ta musique, bobe ta thé. On peut avoir beaucoup de chansons si les marchés de disques. Mais si vous n'avez pas de carnet d'adresse, si vous n'avez pas de bonnes portes, ou frapper bozaka boko bandako beta kaka communautaire. Fali, moi je n'ai jamais aimé les tokos. J'aime tous les albums sauf Tokos 1 2 3. Je n'ai pas aimé ça. Mais l'album ici, si on voit en France, l'album se va bien. Si vous voyez en Afrique, c'est le, comparé à tout, je ne parle pas seulement celui-là le meilleur en Afrique. Non, il n'est pas le meilleur en Afrique. Puisqu'il y a les Burna Boys, il y a les Whiskey, il y a des Diamonds, partout, il y en a. Mais quand je parle de personnes qui vendent leurs produits bien sur le marché de la musique aujourd'hui, Fally fait la fierté du Congo par rapport à Ferré. Fally fait la fierté de la musique congolaise internationalement par rapport à Héritier, par rapport à tout ça. C'est seulement la deuxième personne, puisque dans toutes choses, on a toujours eu les premiers, les deuxièmes. Les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, qui n'étaient pas. Sauf qu'il est là qu'il a fallu les premiers. Les deuxièmes, automatiquement, vous allez inosbi. Il faut que la vérité, dans le moment où inosbi a concurrencé fallu pour pas très fort. Mais ce total peu statistique, ok, inosbi a le cas fallu, puisque inosbi avec peu de chansons sur les marchés, mais baza koyo kaye makasi par rapport à Fally Moutazana, ba chansons et belé plus que de 13, baza yo ka inosbi au même niveau. Et bat baza koyo bimisa nombre d'écoutes, mais il faut que ta la nombre d'écoutes Moutazana nzembo moko par rapport à ba 13, ce qui 20 chansons. Nani moutou nandenga logique, ba koyo kaye mingi, moutou ba chansons et belé, c'est normal, mais nakilelo yo. Il faut à un moment donné dire que Fally est bon, il fait de la bonne, il sait comment se vendre. Il ne peut pas faire la bonne musique comme Ferré Gola. Mais il sait vendre sa musique plus que Ferré Gola. Ferré a de la bonne musique, mais ne sait pas la vendre. Inosmi fait de la musique, il sait la vendre. C'est ça ma différence à Mickey.